Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Mirox, aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième astuce pour comment décorer une maison. Donc comme j'avais dit dans ma dernière vidéo, pour cette deuxième astuce, je vais vous montrer comment faire une salle de bain. Donc pour faire cette salle de bain, j'ai fait une petite pièce comme ceci, voilà, c'est pas très grand. Donc on va voir ce qu'on peut faire là-dedans. Donc alors, tout d'abord, on va commencer par, je pense qu'ici dans le coin on va faire une douche. Par là, les toilettes... Là, une baignoire sûrement. Puis après on va faire peut-être quelques lavabos. Puis après on va voir comment on peut décorer tout ça. Donc alors c'est parti, on va commencer par faire la douche. Donc pour faire la douche, moi ce que je fais, c'est que là je me mets dans le coin comme ça. Je mets des demi-dalles de pierre comme ça au fond. Voilà. Et pour faire les vitres autour ou n'importe, je prends comme ça des vitres et je les mets tout autour. Voilà. Hop. Un peu chiant à poser ça. Voilà, vous en mettez comme ça tout autour. Au plafond. Parce que j'ai pas envie de laisser ça comme ça. Je vais faire quelque chose. Comme ça. Voilà. Après on peut symboliser la porte de la douche comme ceci. Avec voilà. Une petite barrière là. Voilà. Ensuite, pour le robinet, on va prendre des crochets qu'on va mettre. Voilà. Ça nous fait déjà la douche. Voilà. Ensuite, alors j'ai dit là les toilettes. Donc pour les toilettes, on va faire ça comme d'habitude. Hop, on met des demi-dalles comme ça. Donc après, on aura besoin d'un chaudron, d'un seau d'eau. Deux blocs de quartz, d'un bouton, d'une trappe, et après on mettra le tableau. Donc vous mettez le chaudron comme ceci, là le bloc de quartz, là le bouton pour représenter la chasse d'eau, là bien sûr de l'eau, la trappe. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On va mettre un tapis sur le dessus, on va mettre un tapis comme ça, blanc. Voilà. Ensuite le tableau. Voilà, on aura besoin du tableau, d'un bouton et de laine rose. Donc on fait comme ceci. Ah non, attendez. Faut mettre d'abord le bouton. Ensuite le tableau et la laine, voilà. Donc là, on a nos toilettes. On va passer tout de suite à la baignoire. Donc la baignoire, bah, on va faire ça comme ça. On va faire ça. Ah mince. Si je commence à détruire la salle de bain, ça va pas aller. Alors... Voilà, c'est réparé. Donc dans le fond, on va mettre du quartz aussi. Là. Voilà, on met de l'eau. Et par contre, je peux pas mettre de robinet. Bon, c'est pas très grave, on va laisser ça comme ça. Ensuite, des lavabos, on va mettre deux chaudrons comme ceci, avec un bloc de quartz au milieu. Là, on va mettre de l'eau. On reprend les crochets pour faire les robinets. Voilà. Ensuite, pour faire un effet de tiroir, on peut mettre un tableau. Voilà, comme ça. Là, au milieu, on va mettre une petite plante. On va mettre quoi? On va mettre... Allez, ça. Comme ça. Voilà. Donc voilà, ça commence déjà à prendre forme. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter dans une salle de bain? Bon, on a déjà l'essentiel, donc on va commencer à la décorer un peu avec des tapis et tout. Donc je vais faire quoi comme couleur? On va faire blanc et bleu ciel. Voilà. Donc il va me falloir de la glowstone aussi pour mettre un petit peu de lumière. Donc là, à la sortie de la douche, on va mettre un petit tapis pour s'essuyer les pieds. Voilà. À l'entrée, bon non, c'est pas nécessaire. Là, on va en mettre un devant la baignoire. Je vais pas mettre de lumière là, sinon la glace va fondre. Voilà. On met ça comme ceci. On va faire comment? Ouais, on va faire comme ça.
Voilà, ça fait assez sympa. Et du coup, avec la glowstone en dessous, ça fait... Ça éclaire, mais pas trop, donc ça fait un peu lumière tamisée. Je trouve que ça fait pas mal pour une petite salle de bain. Ça fait assez sympa, en plus, il fait nuit dehors, donc ça rend plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Des petites étagères, tiens, pourquoi pas. Donc on va faire ça... On va mettre comme ça. Vous mettez des barrières, comme ceci. Ensuite, vous prenez du fil et des tapis de la couleur de votre choix. Voilà, vous mettez deux fils comme ça par terre. Et après, vous pouvez poser des tapis comme ça. Ça fait quelques petites étagères. Voilà, c'est sympa. Là, sur le bord de la baignoire, j'ai laissé un rebord exprès pour mettre un peu tout ce qu'on veut en déco. Donc, on va mettre des plantes et tout ça. Voilà, on va prendre un peu de tout. Voilà. On va en mettre une là, tiens, à chaque coin. Tac, tac et tac. Là, on va rajouter quelques petites têtes. Voilà, ça fait ambiance un peu morbide. C'est pas mal quand on prend son bain et des petites têtes qui nous observent. Ensuite, tiens. Viens se laver. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Bon, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, ça fait une petite salle de bain assez sympa. Bah non, non, c'est bon, je pense que c'est ça fait déjà quelque chose d'assez sympa. Donc voilà, c'est une petite salle de bain assez tranquille. Vous voyez, je me suis pas embêté, j'ai fait une petite pièce comme ça. Enfin voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé, j'espère que l'astuce vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire. On se retrouve pour la prochaine astuce qui consistera à faire sûrement la sauvegarde auto. Voilà, excusez-moi. Ce sera sûrement une chambre. Donc on verra ce qu'on peut faire avec ça. Donc merci d'avoir regardé et bye!